Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Donc, nous étions arrivés donc à la page 22 et on avait appris Al-Adhan. On avait vu le titre, c'était Hayya ala Salah. Et qui se souvient qui est le premier musulman qui a fait l'Adhan? Qui se souvient qui est le premier musulman, le premier compagnon qui a fait l'Adhan? Oui, Mohamed? Très, très bien. Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Radiyallahu anhu. Alors Bilal ibn Rabah, où il est né? On va parler brièvement de sa vie. Où il est né Bilal ibn Rabah, Hamza? Non, il n'est pas né à Médine, Rahim Rahma. Il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. Et Bilal, parmi sa particularité, c'est qu'il était un esclave. Il était un esclave. Et son maître, il s'appelait Umayya. Très, très bien, Hamza. Il s'appelait Umayya ibn Khalaf. Répétez, Umayya ibn Khalaf. Et Umayya ibn Khalaf, il était très, très méchant. Umayya ibn Khalaf, il n'adorait pas Allah Azza wa Jal. Umayya ibn Khalaf, il adorait des statues. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, Umayya ibn Khalaf a été son ennemi et il a refusé de croire au prophète alayhi salatu wa salam. Également, Umayya ibn Khalaf, il avait un frère qui était lui aussi très, très méchant. Et son frère, il s'appelait Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Ubay ibn Khalaf. Il nous dit que celui qui ne préserve pas sa prière, celui qui ne fait pas sa prière lorsqu'il a 7 ans, celui qui ne commence pas à faire sa prière, et lorsqu'il grandit, il ne fait pas les 5 prières, eh bien, sa prière ne sera pas une preuve, ne sera pas un succès pour lui, ne sera pas une lumière pour lui au jour de la résurrection, et il sera ressuscité avec Ubay ibn Khalaf. C'est-à-dire que certains qui ont fait la prière, ils iront au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui n'ont pas fait la prière, ils iront en enfer avec Ubay ibn Khalaf. Qui va aller en enfer avec Ubay ibn Khalaf? Ni moi. Et qui va aller au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Masha Allah, très très bien. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à faire les 5 prières tous les jours. Donc Bilal, il a vécu une vie d'esclave. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, qui peut me dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète? Comment le prophète alayhi salatu wa sallam il est devenu prophète? Qui le sait? Oui, Teslim. Est-ce qu'il est depuis qu'il est né, il était déjà prophète? Non. Il est devenu prophète à quel âge?
Très bien, Oumaya. Oumayma. Oumayma, pardon. Là, tu prends une chaise. Mais si, tu prends cette chaise-là. Oumaya, je l'appelle Oumaya. C'est pas elle, Oumaya. Oumayma, pardon. Je suis vraiment confus et désolé. Est-ce que tu me pardonnes? Barakallahu fiki. Très bien, Oumayma, mashallah. Elle a dit, à 40 ans, le prophète, alayhi salatu wa salam, il est devenu prophète à quel âge, hein? 40 ans. À quel âge, hein? 40 ans. Comment il est devenu prophète? Comment il est devenu prophète? Zahra? Zakaria? Alors, là, vous me dites ce qu'il faisait avant qu'il était prophète. Exactement, Zahra, Zakaria, il adorait Allah, il avait le meilleur des comportements, il était digne de confiance, il avait toutes les bonnes qualités. Mais ça ne m'explique pas comment il est devenu prophète. Oumayma? Alors, non, avant ça, comment il est devenu prophète? Eh bien, il aimait rester dans une grotte. Que l'on appelle la grotte de Hira. La grotte de Hira. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit, Iqara, lis. Et l'homme, et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, ana lastu biqari, je ne sais pas lire. Et l'ange lui a dit, Iqara. Et il a attrapé fort, il a serré contre la grotte. Le prophète, alayhi salam, avait peur. Et l'ange lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a révélé les cinq premiers versets du Coran. Les cinq premiers versets du Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam en secret. Il a commencé par son ami ou par sa femme en premier, qui est Khadija. Répétez Khadija. 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 Radiallahu anha. Khadija qui est notre mère. Parce que toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont notre mère. Et Khadija, c'est la première femme qui s'est convertie à l'islam. Le premier enfant qui s'est converti à l'islam, c'était qui? Non. C'était Ali ibn Abi Talib, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des hommes qui est rentré dans l'islam, c'était qui? Abu Bakr. Répétez Abu Bakr. Radiallahu anhu. L'ami du prophète, alayhi salatu wa salam. Et le premier des esclaves qui est rentré dans l'islam, c'est Bilal. Bilal, il s'est converti à l'islam. Oui. Alors, Hawa, très bien, c'est la mère de tous les êtres humains. C'est la mère de tous les êtres humains, de toute l'humanité, puisque c'est la première des femmes. Et ensuite, toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mères des croyants. Les mères des musulmans, très bien. Et Hawa, la mère de tout le monde, de tous les êtres humains. Donc dans les êtres humains, des chrétiens, des musulmans, etc. Donc Bilal, radiyallahu anhu, il s'est converti à l'islam. Mais est-ce que Umayya ibn Khalaf, il voulait que Bilal devenait musulman? Non. Parce que les Quraysh, ceux qui habitaient à la Mecque, parmi eux, il y avait ceux qui adoraient les statues. Eux, ils détestaient l'islam. Et ils ne voulaient pas que les gens faisaient la prière. Ils ne voulaient pas que les gens adoraient Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont torturé les premiers musulmans. Ils leur ont fait du mal. Ils les ont persécutés. Ils leur ont fait de très grandes méchancetés. Ils ont fait cela à Ammar, au papa de Ammar, à la maman de Ammar ibn Yasir. Ils ont fait cela à Suhaïb. Ils ont fait cela à Bilal et à bien d'autres musulmans. Et Umayya ibn Khalaf. Qu'est-ce qu'il faisait Umayya ibn Khalaf? Il prenait un groupe de mouchrikoun, un groupe de kuffar qui adoraient les statues. Et il prenait Bilal. Il lui enlevait ses habits et il le traînait dans le désert au moment où le soleil il était à son zénith. C'est-à-dire au moment où le soleil il était haut dans le ciel et il commençait à faire très très chaud. Puisque le soleil, quand il se lève de ce côté-là, d'accord, à ma droite. Il se lève comme ceci. Quand le soleil il se lève, il fait encore un petit peu froid. Ensuite, le soleil il monte, il monte, il monte. On est dans la matinée, ce que l'on appelle. Donc, quand il se lève, c'est Shuruq. Ensuite, quand il monte, on appelle Ad-Duha. Et à ce moment-là, on fait deux raka'at. Ensuite, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, Ad-Dhuhr. Et là, il fait très chaud. Ensuite, il commence à descendre. Il commence à descendre, et là, ça va être Al-Asar. Et là, il commence à faire moins chaud. Et là, il descend jusqu'à ce qu'il se couche. Et là, c'est Al-Maghrib. Et ensuite, quand il disparaît totalement et il fait tout noir, là, c'est Al-Isha. D'accord, les enfants? Regardez comment Allah Azza wa Jal, il a créé cette créature magnifique qui est le soleil. C'est beau quand même. Vous avez vu comment Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé le soleil? Et il ramenait Bilal. Lorsqu'il faisait très très chaud, lorsque le soleil était d'une chaleur torride, et surtout à la Mecque. Autour de la Mecque, c'était du sable, des pierres, c'était un désert, il n'y avait pas d'air. Il faisait très très chaud. Et là, il l'habillait comme d'une cuirasse, d'un bouclier en fer. Et vous avez vu le fer, lorsqu'il y est touché par le soleil, qu'est-ce qui se passe? Il devient encore plus chaud, encore plus brûlant. Il devient encore plus chaud et encore plus brûlant. Donc Bilal, est-ce qu'il souffrait? Et en plus de ça, il lui frappait avec un fouet. Il lui frappait avec un fouet. Il frappait Bilal. Un fouet, c'est comme une sorte de grand bâton avec une corde au bout qui fait... Non, c'est pas une hache, c'est tranchant. Comme un fouet, regardez. Vous voulez voir c'est quoi un fouet? Je vais vous faire voir une photo. D'accord? Vous voyez ou pas? Attendez. Vous avez vu? C'est quoi un fouet? D'accord? Donc, il frappait, il le fouettait. Et il lui disait, insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Insulte le prophète. Et qu'est-ce qu'il disait Bilal? Il disait Allahu Ahad. Répétez Allahu Ahad. Allahu Ahad. Il disait qu'Allah Azza wa Jalil est unique. Ahadun Ahad. Allah Azza wa Jalil est le seul qui mérite d'être adoré. Et quand Umayya ibn Khalaf, il en avait marre de le frapper. Il accrochait une corde à son cou. Et il demandait à tous les enfants et à tous les fous de la Mecque de le traîner. Mais Bilal, radiyallahu anhu wa arda, est-ce qu'il a quitté l'islam? Est-ce qu'il a insulté le prophète, alayhi salatu wa salam? Est-ce qu'il s'est détourné d'Allah Azza wa Jalla et de sa religion? Non, il a patienté. Il a patienté. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a récompensé. Qui sait comment Allah Azza wa Jalla l'a récompensé?
Bilal? Non, Bilal n'était pas prophète. Ils allaient faire rentrer au paradis. Alors, ça c'est dans l'au-delà et dans cette vie. Il était esclave. Qu'est-ce qui s'est passé, Rahma? Très très bien. Et cet homme, donc Rahma, elle dit qu'il y a un homme qui est venu et qui a payé sa liberté. Comment il s'appelait cet homme important qu'on doit aimer, qu'on doit connaître? Comment il s'appelait? C'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Très bien, c'est Abu Bakr. Abu Bakr. Radiyallahu an. Abu Bakr al-Siddiq. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Umayya ibn Khalaf et lui a dit: je t'achète Bilal. Et Umayya, lui, il savait, oui. Exactement. Lui, il savait qu'il avait acheté Bilal une pièce d'or. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: tu veux l'acheter? Je te le vends 9 pièces d'or. Et lui, il a cru qu'Abu Bakr n'allait pas l'acheter. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il lui a donné ses pièces. Et ensuite, Umayya, quand il a pris les pièces, il s'est moqué. Il a dit: je l'ai acheté 1 et je te l'ai vendu 9, comme si je t'avais arnaqué. Et là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit: même si tu m'aurais dit 100 pièces d'or, je l'aurais acheté. Et il a affranchi, il a payé, et Bilal, radiyallahu anhu, n'était plus devenu esclave. Et Bilal, radiyallahu anhu, il a retrouvé sa liberté, et Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a donné cette faveur d'être le premier esclave à se convertir à l'islam. Il a patienté, il a enduré, et ensuite il est resté à la Mecque avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 13 ans. Et ensuite il est parti habiter à Médine. Il a fait l'émigration à Médine, et Bilal radiyallahu anhu, à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé à Médine et que la prière en groupe à la mosquée est devenue obligatoire pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire al-adhan. Il a ordonné de faire à Bilal de faire al-adhan parce qu'il avait une voix tendre, une belle voix. Donc, c'est lui le premier mu'adhin de l'islam. C'est lui le premier mu'adhin de l'islam. D'accord, les enfants? Qui sait faire l'adhan? Vas-y, Hamza, tu viens. Tu fais l'adhan comme Bilal? Non, ici. Bah oui, il faut que tout le monde te voit, Hamza. Quand on fait l'adhan, est-ce que tu sais, il se met où normalement le mu'adhin? Comme ça. Celui qui fait l'adhan, il se met où? Tout en haut. Le mu'adhin, il monte comme ça. Bilal, radiyallahu anhu, il montait sur la Kaaba. Voilà, donc on t'écoute. Et la sunna, quand on fait l'adhan, c'est de mettre ses deux doigts dans les oreilles, comme ça. Mets tes doigts dans les oreilles et fais l'adhan. Et comme elle dit Teslim, très bien, tu te mets en direction de la Qibla. Donc voilà, comme quand on fait la prière. Vas-y, on t'écoute. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أنت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن شاء الله très très bien Hamza, mais là tu as fait l'iqama. Ça c'est ce qu'on fait juste avant de faire la prière. L'adhan c'est pour appeler les gens à la prière. Donc répétez après moi. Mais c'est très bien, Hamza, mashallah, je suis content de toi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله